Gisèle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps qu'on voulait inviter Gisèle Pinault. Servi là, plusieurs fois on en a parlé, puis on verra aussi. Et donc on a profité du fait qu'elle passe à, qu'elle quitte son île paradisiaque pendant deux semaines pour venir affronter la pollution parisienne pour la choper et pour qu'elle vienne échanger avec nous. Donc, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de prendre la petite piqûre sur le livre qui va bien. Mais en attendant, on aimerait bien parler avec Gisèle Pinault de Parfums des Sirènes. Je fais le plan. Parce que les gens sont venus pour t'écouter. Donc, est-ce que tu veux faire le pitch de ce petit roman, et puis de ce roman, et je te donnerai, et je compléterai avec mon avis d'un. Alors, bon, tout à l'heure, je vous ai parlé comme ça, mais je voulais déjà vous dire bonsoir. Je voulais vous dire bonsoir et merci d'être là. Je sais que c'est du temps, la volonté, il faut venir écouter, prendre le métro, c'est pas toujours évident parce qu'on a des responsabilités, des choses familiales. Merci. C'est pas là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, alors je suis très heureuse d'être ici parce que parfois, justement, sur mon île, je ne sais pas si elle est vraiment paradisiaque. Je ne sais pas s'il y a un paradis sur cette terre, des îles paradisiaques sur cette terre. Il y a une île qui est, c'est vrai, qui a beaucoup de charme, qui pour moi est merveilleuse, mais je ne sais pas si c'est paradis. Alors, je regarde parfois, bien sûr, les réseaux sociaux, YouTube, et je suis tombée plusieurs fois sur des extraits de palabres autour des arts. Je vois que parfois on parle de mes livres. Je crois que j'avais la disponibilité sans vie foncière. Voilà. Et j'ai vu des gens qui étaient en train de s'interpeller, de discuter. Et je n'ai jamais trouvé ça vraiment très bien. Alors, je présente aujourd'hui mon nouveau roman, Le Parfum des Sirènes. Le Parfum des Sirènes, c'est au départ l'envie de raconter une famille sur un siècle, 1915 à 2015. Je suis passionnée par les histoires de famille, par les secrets de famille, par les questions de filiation, de transmission, d'héritage, aussi bien de choses invisibles, matérielles, que de la terre aussi. J'aime beaucoup l'idée que parfois les choses qui n'ont pas été résolues pour sauter une génération, pour apparaître de façon brutale au contemporain. Et puis il y avait aussi l'envie de raconter une femme libre, une femme désirée, désirable, qui pouvait susciter beaucoup de jalousie et aussi de l'incompréhension, qui était victime de nombreux préjugés parce qu'elle n'était pas comme tout le monde. Ça m'intéresse beaucoup de parler de ça, des gens qui ne sont pas comme tout le monde. Vous savez que j'ai été infirmière en psychiatrie pendant 38 ans. Alors, les gens qui ne sont pas comme tout le monde, qu'on n'accepte pas, qui peut-être entendent des voix, qui partent seuls, qui sont repliés sur eux-mêmes. J'ai été auprès de mes patients qui souffraient de troubles mentaux pendant toutes ces années. Et je crois que cela m'a enrichi, ça m'a permis de développer, je crois, de l'empathie et de regarder les êtres avant de dire celui-là. Et, je vais le raconter parce qu'il est comme ci, comme ça. Je veux entendre ce qu'un être humain me dit. Alors, dans Le Parfum des Sirènes, et encore, je parle trop, Joss? Non, dans Le Parfum, alors je voulais mettre tout ce que j'aime en fait. Dans Le Parfum des Sirènes, il y a aussi la question des diasporas, des parents qui ont élevé les enfants, on les voit au début du récit, et puis ces enfants vont grandir et vont partir. Josh. Alors, il y a un fils qui va partir au Tibet. C'est très fréquent dans toutes les familles, et de plus en plus, hein, les Guadeloupéens vont jusqu'en Chine, vont partout dans le monde. Alors, il y en a un qui part au Québec,
la dernière fille, Mélodie, va partir à Nantes, comme par hasard à Nantes. Et puis, il y a Bob qui va s'installer à Paris. Et il y a Renata, l'aînée des filles, qui, elle, va rester en Guadeloupe et va s'occuper de ses parents vieillissants qui ne se parlent plus trop. Je ne sais pas ce qui les travaille, mais en fait, leur relation vit sous le même toit, sur le mont d'Orlus, dans une grande maison dont ils ont hérité. Et Gabriel, le fils de Sirena, la défunte que l'on va rencontrer dès la première page, eh bien c'est son petit garçon qui est devenu grand, qui va servir d'intermédiaire entre Léon et Mathurin. Un roman où il y a également une enquête menée par une très vieille femme, contre insignifiante, parce qu'elle n'a pas eu d'homme. On parle de sexualité aujourd'hui, attention. Elle n'a pas eu d'homme dans sa vie. Oh là là, elle craint les hommes. Elle les repousse. Elle ne veut même pas qu'un homme la frôle. Et c'est cette vieille femme qui peut-être va, grâce à un parfum, il y a beaucoup de parfums dans ce livre. Moi-même, j'ai été enivrée par les parfums quand j'écrivais Le Parfum de Sirène. Et j'ai voulu que les lecteurs soient enivrés à leur tour. Alors c'est cette vieille femme qui va traquer, qui va tomber sur un parfum le jour de la mort de Sirena. Et puis trois jours plus tard, encore, on apprend ce parfum. Et puis encore une autre fois ce parfum, elle va comprendre les circonstances de la mort de Sirena. Alors voilà, vous avez compris que je me suis amusée avec tout ce que j'aime. Traiter dans ce livre, j'aime raconter des histoires, tu as parlé de ça, hein, les histoires. Et puis j'aime aussi les mots, la langue, je cherche la beauté. Mais essayez de lire un petit extrait parce que, encore une fois, quand on dit un roman d'un livre qui est très bien écrit, il faut le laisser entendre un peu, donc vous allez devoir souffrir de ma voix. Encore une fois, c'est pas ma version, donc je vais juste à une autre partout. Oui, bah, ton café. Alors il s'agit du docteur Dubois qui va être appelé sur les lieux du drame. C'est le 14 juillet 1980. Le médecin qui autorisa l'inhumation adorait le rhum comme son dieu. C'était connu, mais pas rédhibitoire. On l'appelait docteur Dubois, au lieu de Dubois, parce qu'il fréquentait les chiens nègres des bars à rhum du bas du bourg. Le soir, il leur payait des tournées et proposait des verres en disant « Tu bois quelque chose? Tu bois un truc? Tu bois avec moi ?» Il venait d'Aix-en-Provence, nul ne savait ce qu'il avait bien pu l'attirer en Guadeloupe, si loin de chez lui. 30 ans qu'il était là, seul, sans femme à s'étioler en toute conscience. Autrefois, il avait rallongé la vie de quelques mourants et mis au monde du nourrisson promis au limbe. On le respectait pour ses prouesses anciennes. Et peut-être aussi parce qu'il aurait pu marcher sur un fil tendu entre deux poteaux après avoir descendu une flasque de rhum. Sans doute parce qu'il était blanc et il incarnait la puissance, le savoir, la science. On le respectait, oui, malgré ses sautes d'humeur, ses chemises sales, ses costumes froissés et sa suffisance, car c'était le seul docteur de Saint-Robert. Et il montrait par moments de la compassion envers les miséreux.
malgré une consultation gratis à qui le lui demandait. Quoi qu'il en soit, son jugement n'était jamais remis en cause. Là, c'est typiquement un personnage, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans ce livre, c'est foisonnant, et à chaque fois, ils sont décrits de façon assez imagée, toujours très souvent de façon assez drôle. Et ce qui est important là, c'est que le docteur Dubois, c'est lui qui fait le constat de décès, parce qu'on arrive, Sirena, elle est au sol, là aussi un peu comme Radienne, ça commence violemment, hein. Sirena, elle est tendue par terre, le front déchiré, patouche dans son sang. Son fils de 2 ans, Gabriel, est à côté de sa mère, là aussi patougeant dans son urine, dans son caca, et manifestement, il a depuis, donc, il a assisté à la mort de sa mère. Et c'est ce docteur-là, ce qui est intéressant, c'est ce docteur qui, quelque part, forge le comportement de la tante Léon, parce que la tante Léon récupère l'orphelin, et il dit, cet enfant-là, s'il n'y a pas énormément d'amour, il est perdu. Après avoir assisté à ça, rien ne peut le sauver que énormément d'amour. Et donc, Léon donne énormément d'amour, un amour qu'elle ne donne plus à Mathurin, son mari, qu'elle donne avec parcimonie à ses propres enfants, elle donne énormément d'amour à ce dernier. Et ce qui est super dans le roman de Gisèle, c'est qu'on est sur plusieurs générations. On parle du grand de l'aïeul d'Ornus, qui on montre comment il a acquis ce terrain, comment ça devient un bidonville, avant que Renata, à la force du poignet, parce qu'il y a beaucoup de femmes fortes, d'avoir un paradis. Exactement, il en fait, il l'achète pour un coucher de pain, ça devient un paradis fruitier, et après ça dégringole. Et après, donc c'est vraiment sur plusieurs générations comme ça. Il y a des cycles de vie. Mais c'est vraiment, c'est foisonnant ce roman. C'est foisonnant. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'écrivais? Est-ce que dès le départ, tu te dis que tu vas en mettre autant? Parce que, encore une fois, il faut bien vous imaginer qu'on a la saga familiale, on a la femme, la sirène, la femme liberté, à 14 ans, elle va toute seule dans sa petite cabane, elle s'habille de pareo toute la journée de sandalette, elle est magnifique, elle est belle, elle chante comme une sirène, elle veut être dans tout le village tout autour d'elle, tout le monde veut coucher avec elle, et elle dit rarement non en plus, puisqu'elle vit sa vie. Et évidemment, toutes les femmes sont jalouses et toutes les femmes voudraient la tuer. Donc il y a cette sirène-là, il y a le roman policier, il y a le roman policier, il y a le polar. Et en fait, c'est même pas le polar. Vous rappelez la série Cold Case, parce qu'elle en parle de ça. La série Cold Case. C'est exactement ça. 30 ans après, on va résoudre quelque chose à partir d'un petit indice. Quand c'est foisonnant comme ça, quand tu écris un livre aussi foisonnant, est-ce que tu as une ligne directrice de départ, ou ce sont des choses que tu viens de faire? Les hauts et les bas,
cette fille très libre, et puis une histoire un peu, une enquête un peu menée comme ça par une vieille femme. J'avais envie de cette vieille femme, de Ida, qui mène l'enquête. Et puis je voulais sentir des parfums, je voulais voyager dans ce monde-là. Alors, je ne fais pas de plan quand j'écris une histoire, un roman. Je ne fais pas de plan. Je suis dans la création, tout simplement comme un peintre qui a une toile blanche et qui, dans sa tête, voit déjà le motif, voit déjà le portrait, les paysages, hein, imagine déjà quelque chose. Mais ensuite, il faut prendre les pinceaux, il faut mélanger les couleurs, la gouache, et approcher son rêve, approcher cette idée, approcher ce mirage. Voilà, je crois que j'écris comme ça. J'avais cette idée-là, et j'ai avancé, et les mots se présentent à moi, et me mènent comme ça de personnage en personnage, et les personnages qui vont s'inviter dans l'histoire, ils vont être nécessaires, ou alors à un moment donné je vais les trouver un peu inutiles. Il y a certains personnages que je vais exclure très vite, puis il y en a d'autres qui vont rester, qui vont prendre une place prépondérante dans l'histoire, et qui vont me dire, qui vont me mener, qui vont me montrer la route, qui vont me dire voilà, je passe par ce chemin-là. C'est de la jubilation pure. C'est nécessaire. Pour moi, c'est mieux que de la nourriture. C'est raconter, écrire. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas tout à fait. Illuminer. Mais en fait, on peut être même dans un état de transe. Je écrire et voyager dans cette histoire, et aller jusqu'au bout de cette histoire avec la confiance, sans connaître vraiment tout à fait la fin de l'histoire. Ça peut être très flou, parfois je vois une issue, mais c'est encore très flou, je suis comme dans un brouillard, dans une forêt. Je prends souvent cet exemple-là. J'avance dans cette forêt comme un tâton. Alors peut-être que je vais rencontrer quelqu'un de dangereux, ou peut-être une bête sauvage, peut-être que je vais me prendre les pieds dans des branchages, dans des racines, mais je vais avancer. Et puis la vie me donne aussi des éléments. Je fais des rencontres qui vont d'un seul coup dire « Ah, mais ces rencontres-là vont trouver leur place dans l'histoire. » Ils vont m'aider, me guider. Alors voilà. Sur Sirena, parce que ce qui est important, c'est la vie de cette famille. Hein, et c'est vraiment, comme je dis, c'est Sana où on remonte au grand-père, comment il construit cette famille. La question de l'héritage, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est à un moment, la tante, la grand-tante qui n'a pas eu d'enfant, donc il doit faire hériter deux nièces. Et on choisit de donner 90% de son héritage à l'une et pas à l'autre. Et donc ça crée sur une génération comme ça des inimitiés, parce qu'il y en a une qui se dit, mais exactement, l'autre a la petite case, et puis il y en a une qui a la grande maison et 5000 hectares de terrain, parce que la tante considère simplement qu'il y en a une qui est gentille, l'autre qui ne l'est pas. Et puis évidemment, entre les deux sœurs, ça crée une cassure qui dure quasiment toute leur vie. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Je voulais juste revenir sur Sirena, parce que c'est quand même le fil rouge. Toutes les vies tournent autour d'elle, c'est le fil rouge. Là, quand Gisèle écrit, quand les femmes de Saint-Robert la voyaient traîner ses sandales dans la rue, cigarette au bec, elle tournait la tête. Sirena portait des robes trop courtes, des t-shirts étriqués, des pareos sans rien dessous que sa peau nue, toujours à se trémousser et narguer le monde, cracher les jalousies. Elle se fardait les lèvres d'un rougissant. Ses cheveux flottaient dans son dos comme la cape noire d'une dominatrice. Et cette couronne de fleurs qui étourdissait jusqu'au dernier dessin. C'est vraiment une superbe jeune fille qui représente, qui transpire une espèce de sensualité, de liberté,
qui ont fui tous les hommes de sa robeur. Et vraiment tous. Et là-dedans, un peu comme avec Ernest Pépin, Gisèle ne se contente pas de parler juste de la pluie, du beau temps de Serena. On parle de la question du couple dans ces foyers, de ce couple qui va, par exemple, de cette ferme qui est régulièrement violée par son fils et que toute la communauté se tait. Parce que la communauté, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de là. Il y a beaucoup d'hypocrisie, évidemment. Il y a beaucoup de gandhi, il y a beaucoup de jalousie. Donc, il y a quand même cette... on voit cette petite communauté-là. Et ensuite, c'est vrai qu'on bascule sur autre chose. Quand on arrive à Renata, qui est, on va dire, la troisième génération, la quatrième génération même, qui est cette femme forte qui reste au Guadeloupe pour gérer la famille, qui vient faire déloger tous les squatteurs de leur terrain et qui remet la famille, en fait, l'héritage familial. Donc là, on est sur une femme forte et on est sur la relation à Léon. Ben, j'aimerais qu'on parle de Léon. Je vous dis tout de suite, c'est très difficile de parler de ce roman sans vous tuer un certain nombre de points où vous devriez avoir de l'intrigue et du suspense. Voilà, on va essayer de pas. Voilà, on va essayer de pas le tuer, mais c'est difficile parce que sinon on dira rien du roman. Mais Léon, c'est la sœur, la grande sœur de Serena, qui a récupéré Gabi. Je suis en train d'évaluer ce que je peux dire ou pas. Je suis en train d'évaluer. Voilà. Léon, sur les lieux, sur le lieu du crime, Léon récupère, au tout début, elle récupère une bague et elle se dit, bah, il y avait un homme qui a voulu, bah, qui est né à la sirène. Elle récupère une bague. Et Léon, il y a un événement qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de cyclones, mais il y a un événement qui arrive, qui fait que pendant 30 ans, du jour au lendemain, avec son mari, avec Mathurin, ça devient c'est la guerre froide. Des ennemis, des gens qui vivent sur le même toit, parce que dans les sociétés, on ne divorce pas, on ne se sépare pas, parce que diront les gens, on ne se sépare pas. Et moi, j'ai perçu de façon très violente, j'aimerais bien que Gisèle nous en parle, ce rapport entre un homme et une femme qui, pendant 30 ans, vivent ensemble sans quasiment se parler. C'est le petit Gabi qui est le chouchou de tout le monde, qui a grandi, qui a souvent 38 ans. Et en fait, le couple, ils veulent se parler, ils passent par Gabriel. Quand ils se parlent, c'est vraiment le minimum de chez minimum, sinon, ils passent par Gabriel. Vous imaginez, pendant 30 ans. Et j'aimerais savoir comment tu construis ce personnage de Léon qui devient une femme assez frustre, assez aigrie, et ce Mathurin qui est un prison qui ne savait rien, et pendant 30 ans, c'est un couple qui ne se parle plus. Oui, alors Léon a hérité du prénom de la veuve d'Orius, du fondateur de cette communauté, de ce monde d'Orius. Elle a hérité de ce prénom et on appelait cette femme la lionne. Il y avait un des personnages que vous découvrirez qui appelait Madame au lieu de Léon d'Orius, il l'appelait Lionne parce qu'il n'arrivait pas à prononcer les E. Et alors, il l'appelait la Lionne. Et ce petit surnom est resté, la Lionne. Et Léon, la mère des quatre enfants, va hériter de ce sobriquet, ça va être une Lionne. Et elle va tout à fait entrer dans la peau de cette Lionne. Elle va être maîtresse sur sa savane et elle va dominer son mari. Elle va être là une figure très imposante dans la famille. Les enfants la craignent. Et d'ailleurs, ses fils vont comploter, vont partir parce qu'ils fuient la violence de leur mère, sa dureté, sa froideur affective. Hein. Elle semble d'une froideur affective. Donc elle concentre tout son amour à Gabriel qui finalement va rester dans le foyer. Comment je construis ce couple? J'ai rencontré en Guadeloupe, mais pas seulement en Guadeloupe d'ailleurs. Il y a des couples comme ça, qui ne se parlent pas, qui continuent, qui vivent ensemble, qui vieillissent ensemble. Et puis, comme on dit en Guadeloupe, en jalant une été, je suis déjà là, je suis restée, parce que les enjeux sont trop importants. Il y a une terre,
l'héritage. Peut-être que parfois c'est la femme qui a hérité de la terre et que c'est l'homme qui a construit la maison parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils sont fatigués. Et puis les enfants qui sont éloignés, qui se sont exilés, eh bien, veulent garder aussi, comment dire, comme ça ils ne se posent pas de questions, ils veulent garder aussi l'image de papa, maman, même si ces gens ne se parlent pas, même si ces enfants sont devenus des adultes, alors tous les pères et les mères de famille, et voilà, c'est rassurant. Et on fait des grands repas de famille, les parents ne se parlent pas, très peu. L'intermédiaire, mais ils vont surtout parler d'intendance. Hein, ça sera le toit, les tôles qui s'est soulevé, il faut aller nettoyer le jardin. Tout passe par Gabriel. Et ça, c'est très fréquent en fait. Je crois que c'est très très fréquent. Et c'est une violence qui mine, quelque chose qui épuise le quotidien comme ça. Ce silence de l'autre. Je voulais parler de l'écrire. J'ai une question par rapport à Léa, parce que j'ai bien compris, c'est la femme. Non, j'ai pas utilisé ce mot. Dis-moi. La lionne. Dominatrice. I don't know.
un petit crochet sur le sentier poussière, un livre extrêmement perturbant, pour un homme, perturbant, pour un homme, parce que c'était la première fois justement que qu'on me faisait rentrer dans la peau d'une femme qui est addict à la grossesse. C'était perturbant de lire comme ça les sensations qu'elle a. Et effectivement, dès que l'enfant naît et devient un peu indépendant, commence à marcher à quatre pattes, la maman s'en désintéresse. Mais c'était perturbant et ayant au moins deux connaissances qui ont des filles qui ont fait beaucoup d'enfants, très jeunes, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi chez elles des signes cliniques de cette espèce d'addiction à la grossesse? C'est sans vieille poussière, lisez-le, c'est. De toute façon, je disais plus, mais voilà, sans vieille poussière, c'est très fort. Et pour revenir, avant de revenir là-dessus, il y a une scène dans Sans vieille poussière, parce que Gisèle Pinault est aussi moins là-dedans, mais il y a aussi beaucoup la misère des gens, beaucoup de gens qui sont souffrent de la misère. Aussi, Sans vieille poussière, c'est très fort. Et il y a la maman qui prend ses gamins, qui n'a rien, qui est dans la misère totale, qui n'a rien, qui vend dans un supermarché, remplissent les caddies, les enfants se font plaisir, je veux ceci, remplissent les caddies, se font plaisir, et au moment où elle sort, au moment où ils commencent à rentrer, ben, ils abandonnent le caddie sur le côté, ils sortent sans rien. Et cette image-là m'avait vraiment marqué, parce que ben, elle n'a pas les moyens, mais c'est le plaisir de la consommation. On veut pouvoir consommer également, donc ils vont, ils prennent, ils remplissent les caddies, et au moment de sortir, ils abandonnent les caddies sur le côté, et ils sont morts. Ça a été très très fort dans son émission, j'avais adoré cette partie-là. Si on commence à s'étaler sur tous les romans de Gisèle Pinault, on ne va pas en finir. Le parfum des sirènes, Léon, est vraiment lisé aussi, un personnage qui est très fort, qui fait beaucoup de choses. Il y a ce personnage-là, et ensuite, il y a le personnage de... Il y a les hommes. Je trouve que les hommes dans ce roman, peut-être parce que c'est un roman écrit par une femme, les hommes de ce roman, sont des espèces d'esquisses vagues qui sont absolument pas présentes. Mathurin, qui est l'homme présent, c'est un taiseux. C'est la présence absente. Exactement. Les hommes, en fait, les hommes qui sont présents, c'est Mathurin le taiseux, qui est présent tout au long. Et c'est Gabriel, qui est la victime, hein, qui est le gamin, et qui finit en espèce de... C'est d'ailleurs rigolo parce que... On peut lui donner beaucoup d'amour. Il faut lui donner beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Jusqu'à ses 5 ans, il est traumatisé par ça. On lui donne beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, même adulte, ça devient un rêveur. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu tout le temps dans les nuages en train de rêver. Et donc, ce sont les deux hommes qui sont les hommes présents de ce roman. Alors, figure féminine, que ce soit Serena, Léon, Ida, Madame Senglas, Renata, qui sont des figures très fortes, très présentes. Où sont les hommes? Où sont les hommes dans ce moment? Ils sont dans les parages, hein, je crois. Dans les parages. Mais ils sont là! Ils sont là, hein. Il y a beaucoup d'hommes autour de ces villes-là. Je vous assure que j'ai fait un effort pour mettre beaucoup de personnages masculins dans ce livre. Non, c'est dommage. Franchement, j'ai essayé de mettre... Gabriel est là, même si c'est un rêveur. Peut-être parce que je ne connais pas assez les hommes, il faudrait que j'aille explorer ce monde masculin. Mais ils sont présents, ils ont des enfants, ils ont des familles. Ils regardent Sirena, ils sont tout autour de Sirena, à l'enterrement. Ils sont là, les hommes, ils ont connu quand même... Oui, ce sont des hiboux qui sont là, qui reflètent tous la beauté. Quand tu dis que tu ne sais pas ces hommes, Cher Piment, il y a un homme qui est très présent dans Cher Piment. Il y a cette fille qui est addict au sexe, mais il y a cet homme qui est en recherche de lui-même, qui est très présent dans Cher Piment. Il y a un personnage masculin très fort. Et même dans son vieux poussière, ces hommes-là, ces hommes qui vendent les enfants, ce ne sont pas des hommes éphémères qui n'ont pas de consistance.
Là, c'est vrai qu'on est centré sur les personnages féminins. C'est une histoire de femmes, autour des femmes, de construction et de reconstruction de femmes. Des femmes qui se jalousent, qui se détruisent, qui s'aiment. Et c'est vrai que les hommes ont un rôle un peu de faire valoir. Et même le Mathurin, le Théseux a un rôle un peu de faire valoir. Bon. Là, sur ce coup-là, je me suis dit... J'ai bien aimé écrire la conversation qu'il avait avec sa fille Renata. Donc elle le retrouve dans le jardin parce que effectivement il déserte la maison parce que bon, il n'a pas de conversation avec sa femme. Donc il passe beaucoup de temps à s'occuper des endroits qui ont été plantés. Il n'a pas la main verte, mais. Mais voilà, il passe son temps, il coupe des herbes, il est vieux, il est fatigué. Et quand à un moment donné, en 2016, Renata vient le voir, elle vient dire bonjour à son père, puisqu'elle vient visiter ses parents toutes les semaines pour les courses, pour les factures, remplir les papiers administratifs, elle fait la bonne fille. Et donc elle a cette conversation avec son père, elle lui demande comment il va, elle le trouve amaigri. Et triste, elle ne comprend pas le comportement de sa mère. Et elle considère que son père est vraiment une victime de cette femme mastodonte qui écrase cet homme. Et elle voit un fruit à pain comme ça qui mûre. Elle lui dit, papa, fais attention parce que si ce fruit à pain la tombe, il va tout de suite. Et il dit, il faut bien mourir de quelque chose, c'est un homme qui n'a plus tellement de goût à vivre, et qui est triste quand même, c'est un personnage qui est émouvant, qui a une épaisseur pour moi. Si, Mathurin est présent, c'est un Théseux, et c'est un peu, encore une fois, dans le processus, son silence impacte les enfants, son silence fait que les enfants, quelque part, l'absence, le silence du père, ça a impacté sur les enfants qui fuient leur mère, parce que quelque part, le père n'est pas là aussi pour les protéger, ne les défend pas, puisque, exactement, la mère a pris toute la place, donc le père n'est pas là. Les enfants se sont construits par rapport à ça, et il y a un vrai impact. Et le Mathurin, le Théseux, aussi se tait sous le poids d'une culpabilité qui dure 30 ans. Qui dure 30 ans, et effectivement, Mathurin n'est pas là par hasard. C'est un personnage qui ne parle pas. Mais dans la trame de ce drame familial, il est très présent. Le grand-père Dorius qui fait la famille, qui fait la saga, et Mathurin, et Gabriel, ce sont sur trois générations, sur quatre générations, les hommes qui, soit par leur présence, parce que le grand-père Dorius fait le job, il achète la terre, il lance la culture familiale, et Mathurin, par son absence, ben, ils définissent trois générations d'hommes et de femmes. Et c'est vraiment superbement compté et présent. Alors, je pense que je n'ai pas voulu montrer une famille un peu classique où justement le père va incarner l'autorité. Le père sévère, méchant, violent, qui tape les enfants. Non, je pense qu'il y a une bonne réponse avec ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est quand même une variante de la famille classique, cette femme autoritaire. Il n'y a pas de famille classique, c'est parti. Très bien Serge, tu fais très bien de prendre la parole parce que ce que j'ai pas prêté à dire, c'est que moi je parle beaucoup, je pose beaucoup de questions à Gisèle et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de gens là-dedans parmi vous qui aient envie de, je sais pas, de rebondir sur les moments de Gisèle, sur ce moment-là. Bien sûr, il n'y a pas de famille classique, mais tu vois, Mathurin, il n'est pas dans la famille paternelle, qui était en train de dire oui, on ne peut pas sortir, mon mari est brime, elle fait des coups, elle ne veut pas avoir la parole, il faut demander la permission. Enfin, souvent, Serge, tu me diras, si je me trompe, souvent des femmes sont
comme un suspense, il y a quelque chose, un fil pour essayer de tirer ce fil pour essayer de pourquoi de page en page. Personnellement, moi c'est ce que j'aime chez toi, tu sais. Dans tes romans, c'est ce que je préfère le plus, en fait. C'est qu'il n'y a jamais une ligne de conscience définitive. En fait. On est complexe, on est multiple. Et cette multiplicité, on la retrouve dans tes romans et dans tous les personnages, qu'ils soient insulaires, qu'ils soient féminins. Est-ce que tu es d'accord pour dire que les hommes ne sont pas présents? Toi qui es un lecteur, mais est-ce que... Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas présents, ils sont tous là quand même. Ils sont là. Ils sont là. C'est vrai que je t'ai fait le reproche la semaine dernière en disant que j'aurais pu écrire un roman sur les hommes. Mais en même temps. Donc l'impression, je n'étais pas le seul à avoir. C'est plus pour attaquer d'autres choses. Oui. Mais je pense que dans cette présence-absence, que tu la magnifies à chaque fois. Donc, c'est vrai que les hommes n'en parlent pas comme pourraient parler des femmes, mais ils sont là, ils sont présents dans toutes les histoires. En fait, ils sont le lien des histoires. Peut-être que je me trompe. Oui, sur la question de la présence des hommes, c'est une question qui est intéressante parce que quand on observe la littérature des Caraïbes, cette question, on la pose quand on lit Canor, Fabien Canor, ou quand on lit d'autres auteurs d'Antilles. Effectivement, on se pose la question où sont les hommes, et souvent, c'est des faire valoir pour le discours, et donc, il y a effectivement, moi, quand j'entends la question de l'absence, en fait, des hommes, je trouve cette question qui est très intéressante et en même temps ce que j'entends ce soir c'est il y a ce processus de construction, c'est pas les parcs concomitants donc que vous écrivez dans votre texte, les parcs en construction. Alors moi j'ai une question qui porte sur la sirène, c'est-à-dire la femme qui incarne la séduction. Vous avez écrit Chapiment, on était sur la nymphomane. Donc là, la femme qui incarne la séduction, j'aimerais que vous reveniez sur cet aspect-là. Comment les choses évoluent sur cette femme des Caraïbes qui incarne la séduction et comment se compte au travers de cette séduction? Au travers de cette séduction? Cette femme des Caraïbes qui est utilisée un peu. Oui. Est-ce oui. que ça existe encore? Cette femme des Caraïbes. Je pose la question parce que j'ai grandi au Congo je donne ici mon regard un petit peu de Congolais sur la femme des femmes des Caraïbes. Et quand on a produit la oui d'hommes aussi, mais de d'Africains. Et j'aimerais avoir un peu votre regard aujourd'hui. Pourquoi vous avez abordé l'angle aussi, l'angle de la sirène? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors c'est... Je ne veux pas dire que la femme caribéenne est dans la séduction. Je ne vois pas ça du tout comme ça. Je vois des femmes qui font avec, qui luttent, qui se construisent, qui deviennent médecins, qui ont des ambitions, qui ont des rêves, des femmes aussi qui sont dans des conditions de vie très très difficiles, des femmes qui ont des enfants. J'essaye d'explorer pratiquement toutes les facettes des femmes. Et pour moi, c'est infini. Alors c'est vrai qu'on me dit, mais tu parles pas des hommes. Moi, j'essaye de parler des hommes, mais j'aimerais bien être dans la tête d'un homme à un moment donné. Non, moi je ne vous en ai pas. Je ne vous en ai pas. Je ne vous en ai pas. Je ne vous en ai pas.
Et c'est pas ça, on va
Ça ressemble à ça. Non, la nouvelle, c'est... Ah, c'est moi, c'est moi.